Nous arrivons à ce croisement du Boulevard Suisse, où là, nous avons droit à plusieurs passages. Donc un passage cycliste ici, qui est synchronisé avec le passage piéton. Mais en fait, on peut voir qu'il y a deux bouts. Il y a un bout qui continue, qui traverse et qui permet de rejoindre la piste là-bas, de l'autre côté du Boulevard Suisse. Ou alors de descendre le Boulevard Suisse en suivant cette bande juste ici. Donc on va déjà en premier temps traverser pour voir comment c'est la vue de l'autre côté. Après, il y a les vélos qui arrivent, qui descendent le Boulevard Suisse, qui arrivent par là-bas et qui du coup peuvent traverser ici et continuer en descendant. Donc on voit qu'il y a plusieurs temps, on peut remonter par là, mais bon là on est à contresens du coup. Pour ceux qui descendraient le Boulevard Suisse, ils arriveraient par ici. Donc on a bien la piste cyclable qui est identifiée avec un revêtement de colorisé. Donc pour ceux qui descendent le Boulevard Suisse, ils arrivent comme ça. Et ils arrivent au carrefour. Ils doivent attendre le feu lié au feu piéton. Et après, ils peuvent descendre, continuer à descendre le Boulevard Suisse. Ou alors, ils peuvent traverser pour essayer de remonter. Donc ils peuvent traverser et rejoindre la piste de l'autre côté.